Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode, le guide de la Redstone tant attendu avec Green Power City 113 et pour une fois on a un assistant, Zane 12356. Bonjour Zane. Bonjour Power, comment ça va? Ah bien et toi? Bien. Bon alors aujourd'hui on est là pour le guide de la Redstone. Désolé si vous entendrez moins Zane, mais pour cet épisode, je vais essayer de faire ce que je peux. Alors, cet épisode pourrait arriver en retard, mais je crois avoir trouvé un fixe pour les problèmes d'upload. Alors, sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, pour le premier épisode du guide de la Redstone, on va présenter la Redstone Dust, donc la poudre de Redstone, et les Redstone Torch, donc les torches de Redstone. Ça va? Ouais. Parfait. Alors, premièrement, commençons par la poudre de Redstone, la Redstone pure. Donc, tout ce qui peut activer la redstone. Donc, il y a le bouton en pierre. Je t'invite à peser. Ouais. Le bouton en bois. Connais-tu la différence entre les deux? Non. OK. Une différence très, très cool. C'est tout simplement, le bouton en pierre, on peut juste l'activer à la main. Mais le bouton en bois, lui, peut être activé avec des flèches. Pas le bouton en pierre. Ensuite, il y a le levier. Il y a la plaque de pression en pierre. La plaque de pression en bois. Même chose pour la plaque de pression. On peut tirer avec des flèches. Puis on ne peut pas ici. Et on peut aussi dropper des items. Comme exemple, si je drop un arc. Ou si je drop un arc en pierre. Un arc sur la plaque de pression à pierre. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a la plaque de pression en or. Vous voyez que ça émet des petites particules ici. Et la plaque de pression en fer. Même chose, des petites particules. La différence entre celle en bois, celle en or et celle en fer, les trois fonctionnent si je tire des flèches. Mais en dépendant du... peux-tu éviter de les ramasser, s'il vous plaît? En dépendant du nombre d'entités, vous allez voir que ça va monter plus rapidement sur une plaque de pression en or. Donc, ça peut compter le nombre d'entités qu'il y a. Et sur une plaque en fer, c'est la même chose, mais ça en compte beaucoup plus. Intéressant, moi, je savais pas ça. Ensuite, il y a le Tripwire Hook, qui est exactement comme une plaque de pression, mais invisible, qui a besoin de deux crochets pour être accroché et d'un fil au centre. Ensuite, il y a le Detector Rail. Donc, quand il détecte un minecart, il émet un signal. Maintenant, pour tout ce qui peut être utilisé avec un signal redstone. Donc, il y a le dropper, le dispenser. Connais-tu la différence entre les deux? Oui, parce que le dropper, ils peuvent pas shooter des affaires pour tirer des affaires comme des flèches ou des affaires efficaces qui tirent, les boules de feu. C'est très proche. Le dropper ne peut pas utiliser les objets. Le dispenser peut utiliser les objets, peut lancer les objets. Puis dispenser, en français, c'est distributeur. Dropper, c'est dropper. Donc, si tu les réactives les deux, encore une fois, pour qu'on puisse bien réaliser. Et tu sais que tout le monde a vu ton message? Ouais. OK. Vas-y, on a le temps. Mon frère, il avait mis de la TNT dans un dispenser. Puis moi, j'avoue, alors j'arrêtais pas de cliquer la lever. À un moment donné, la TNT est sortie. Là, j'ai essayé d'apprendre, mais je voyais qu'il était déjà en train d'exploser. Ben, moi, j'ai couru, ça a explosé exactement toute la base. J'étais comme, oh oh! Donc, très important de ne pas jouer avec la TNT. Donc, il y a
les pistons collants, les pistons non collants. Tu sais la différence entre les deux? Et il faut bien préciser que le piston collant ne peut ramener qu'un seul bloc. Donc si je mets un deuxième bloc, il n'en ramène qu'un. Il y a le bloc de musique. Une découverte très intéressante. Il ne produit aucun son s'il y a un bloc au-dessus. Il y a une lampe de redstone. Il y a une trappe en bois. Il y a une trappe en fer. Tu connais la différence entre les deux? Sincèrement, non. Essaie de les ouvrir les deux avec la main. Ah oui, c'est vrai. Donc, on peut... Elle, c'est comme la porte en fer. On peut pas l'ouvrir avec la main. Exactement. Il y a les 6 types de portes. Donc, ils fonctionnent toutes de la même manière, donc on va juste passer à côté. Donc, il y a les 6 types de portions. Il y a la porte en fer. Tu connais la différence entre la porte en fer et les autres types de portes? Ouais, c'est comme la trapdoor en fer, on peut pas l'ouvrir avec la main. Effectivement. Et le dernier, mais non le moindre? La TNT! Le fil. Désactive le système. Ok. Attention à vos oreilles! Et au beau terrain. Alors, une chose à savoir, pourquoi au début la TNT n'a pas fonctionné? Le sais-tu? Parce que la redstone n'a pas été assez forte pour pousser trop haut. Comme l'exemple ici, le 15 ne fonctionne pas. Et en fait, c'est le 16 qui ne fonctionne pas, puisque la redstone voyage sur 15 blocs. Donc ici, elle a une puissance de 15, puis ici une puissance de 14, puis ici une puissance de 13, puis ici une puissance de 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 n'émet pas de courant. Une chose à savoir, juste rapidement, on va surtout travailler sur les puissances dans l'épisode... laissez-moi juste voir mes notes. Épisode 4. Et on va surtout travailler avec les pistons dans l'épisode 3. Juste une petite chose à dire. Ensuite, une autre chose avec la redstone. Elle n'a aucun problème à monter des blocs. Elle n'a aucun problème à descendre des blocs. Tant qu'elle n'est pas coupée par un autre bloc. Par contre, une chose très importante. Si on fait quelque chose du genre à ceci, donc on a une dalle, ça continue à passer et ainsi on peut monter. À savoir, de très important, la redstone peut monter sur des dalles, mais elle ne peut pas descendre d'une dalle. Ce qui est la même chose pour de la glowstone. Même chose pour descendre, si elle est bloquée, ça ne fonctionne pas. Une autre chose, ça a un faible signal d'une poudre de redstone. Donc si jamais comme ceci, vous allez voir que si je mets ça ici, ceci ici comme ceci, et que je fais ceci, aucune des redstones n'est alimentée au travers du bloc. Oui, plus tard, vous trouverez un moyen. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la redstone? Non.
Au pire, si jamais j'ai oublié quelque chose, ben je le dirai dans un prochain épisode. Chaudron, ça ira avec les puissances, donc ça sera dans le quatrième épisode. Mais nous devons commencer sur la deuxième chose que nous allons parler, c'est les torches de Redstone. Alors, les torches de Redstone peuvent alimenter le courant, mais comme vous voyez, on ne peut pas faire un clic droit pour modifier la torche. Et elle émet un même nombre de puissances que tout le reste. Donc, même chose qui est importante à savoir. Une torche de Redstone peut s'éteindre. Étonnant, non? En fait, quand on envoie du courant au travers d'un bloc où est-ce qu'est posée la torche s'éteint. Donc, si on fait quelque chose comme ceci, cette torche s'éteint, vu que le bloc qu'elle est posée dessus est éteint. Par contre, si nous faisons quelque chose comme ceci, vous allez voir qu'elle reste allumée puisqu'elle n'est pas posée sur ce bloc-ci, mais sur ce bloc-là. Donc, si je fais quelque chose comme ça, et que j'inverse le courant juste ici, voyez-vous? Ça fait exactement comme je l'avais prédit. Donc, on peut servir de ceci pour faire une horloge. Mais l'horloge que je vais vous présenter a un petit défaut et vous allez le voir tout de suite. Oh non, la torche a brûlé. Voyez-vous? Ceci est éteint, donc la torche serait censée être allumée. Il n'y a aucun autre signal. Il n'y a rien en dessous. Je ne suis pas un tricheur. Mais, voyez-vous, la torche a fait ce qui s'appelle elle a brûlé. Donc, si on met quelque chose comme ici, ça aussi, ça brûle. Mais si on en met trois, ça devient l'horloge la plus rapide du jeu et qui fonctionne encore. Celle-là, toutes les torches brûlent, mais une à la fois. Donc, si vous voulez lancer un petit piège à votre ami, vous remplissez ceci de flèches. Désolé pour le bruit. Dans 2 secondes, je vais le baisser. Voilà. Ça me tentait de rire un tout petit peu. Voilà. Oui, mais on va étudier les clocks dans un autre épisode. Donc, rapidement, à se rappeler pour les torches, elles peuvent s'éteindre et s'allumer selon le bloc dans lequel vous le posez. Tout simplement. Voilà. Sur ce, c'était Green Power 713. Merci à tous de m'avoir écouté et merci à toi, Zane, de m'avoir rejoint. Et on se retrouve une autre fois pour le deuxième épisode de Le Guide de la Redstone. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.